Yo, petite vidéo très rapide parce qu'on a une petite news au niveau de Fallout qui est en fait un nouveau mode de jeu, un Fallout World. N'hésitez pas à me demander Je de l'aide. viens de voir ça en lançant le launcher tout à l'heure et il semblerait qu'on ait maintenant qu'on va avoir accès à des mondes personnalisés et on va pouvoir construire à des Je endroits suis où certain. habituellement on ne pourra pas construire. Et je vais voir le prochain. Donc il y aura pas mal d'options qui seront réglables, comme par exemple le niveau de difficulté, le niveau au niveau des déclenchements JCJ, il y aura des mondes publics et des mondes personnalisés. Donc en fait voilà, ça va se présenter sous quatre. Donc on aura maintenant quatre modes de jeu différents. Donc le mode aventure, le mode aventure privée, Quantum World, donc Fallout World et Custom World. Donc ça, ce sera des éléments monde ouvert où ce sera limité dans le temps avec des personnalisations de monde qui auront été conseillées par par les joueurs et que Bethesda aura mis en place dans ce monde et ce sera limité. Donc je ne sais pas exactement sur combien de temps ils viennent d'en parler là en fait. Et donc à côté, vous avez le Custom World où là, vous aurez un monde où vous pourrez mettre vos propres règles. Personnaliser ce que vous voulez faire en fait. Donc voilà, prenez possession de Fallout World avec le monde personnalisé. Donc voilà, vous pouvez donner un nom avec donc les emplacements des camps, le combat, si vous voulez, Infinity Ammo, Ragdoll Behavior. Ce que voilà, regardez, même là il met attaque de mêlée, ça consomme aucun AP, donc il n'y a pas de. Enfin. Vous pourrez personnaliser comme vous voulez en fait. Et ils vont rajouter avec le temps en fait d'autres options, d'autres personnalisations qui viendront avec. Et je viens juste y voir. Donc Merci encore pour vous les mettez services. vous lancez votre launcher et vous pourrez avoir un petit accès rapide parce qu'ils expliquent très très rapidement, très brièvement en fait les nouveautés de Fallout World. Donc ce sera en fait Fallout 76 en monde personnalisé. Voilà, c'est la petite news du jour. Donc Merci beaucoup. on est vendredi 23 juillet, donc ce sera disponible sur la mise à jour de septembre, il me semble. Donc une petite nouveauté en plus. Est-ce que ça veut dire qu'il commence un petit peu C'est tout à fait. à se bouger le fion? Même s'ils avaient déjà fait pas mal de choses? En rajoutant des quêtes et des missions, mais là c'est vrai que pouvoir avoir un monde personnalisé où on peut changer les règles qu'on a envie, à voir, pourquoi pas. Ça me fait penser un petit peu au Battle Royale là. Allez, je me rappelle plus moi du nom. Epic. Faites-moi Oui. signe si vous avez besoin de moi. Epic, le Battle Royale de Epic. Il joue tes fils. Fortnite. Merci! Tu vois que tu sers à quelque chose. Super. Ça me fait un peu penser à Fortnite avec leur monde, leur mode de personnalisation là. Donc ça me fait un peu penser à ça sans vraiment être pareil. Mais bon, après. À voir ce que ça donne. Je sais pas s'il y a grand intérêt, mais on. Pourquoi pas? Allez, tchuss!